Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. Nous allons dans cet épisode découvrir ce qu'il nous faut faire pour le prochain chapitre du jeu. C'est pas par là. Yes, c'est par là. Qu'est-ce qu'il nous faut faire du coup? Combien de quêtes secondaires il va nous falloir faire? Ah bah absolument rien. Obtenir le module de vol pour Scale. Si vous acceptez cette mission principale, vous ne pourrez pas la modifier. Les membres d'équipe requis, vous ne pourrez également pas accepter... Enfin, plus également plus accepter les missions d'entente. Je pourrais pas modifier les membres d'équipe requis. Mais je peux modifier d'autres peut-être. Bon, il me faut quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un. Où est-ce qu'il y a quelqu'un? Quartier administratif, il devrait y avoir des gens. Par exemple, ici. Je ne sais pas. Je vais à l'allée des arbres. On va aller à l'allée des arbres. Puisqu'on a des... Je pense qu'on a du miranium à dépenser. Peut-être pas. Cela dit. Est-ce qu'on a du miranium à dépenser? Question de Juba. On n'a pas de miranium à dépenser. Okay. Y a pas un copain qui peut venir m'aider là? Est-ce que elle, il peut venir m'aider? Je sais pas si ça servira à grand chose, mais. That's crazy. Friend, no. Yep. Ah voilà, elle est de retour. Welcome. Hop, viens. Fantastique. T'es niveau 27. Tu vas pouvoir. Avoir le scale du coup. Friend, no. Ah, moi j'allais chercher Doug. That's crazy. Plutôt. Le ciel de nouvelle génération. Lancé vers le ciel de Mira. Ouais. Nous pourrons. Ah, avec Gwen du coup peut-être plus. Fin de l'espérance. Prochaine mission. T'es niveau bas toi non? Je te confonds. Ah non, c'est toi qui as scale. Non, c'est bien ça. Niveau 35, ouais, c'est mieux. Non, c'est bien Gwen qui est avec nous. Ok, parfait. Il y a le scale qui lui était attitré. On va retourner dans la caserne, du coup. Et on va commencer le chapitre 12, hein. De quoi ça va parler? Probablement l'arche blanche. Parce qu'il est temps qu'on retrouve de l'énergie là quand même. Let's go. Tintintin. Chapitre 12, le noyau. Absolument. Le noyau lui-même. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Chapitre 12. 5%. Brave citoyen de New Los Angeles. Ici, votre directeur général, Maurice Chausson. Maurice Chausson, je m'adresse à vous aujourd'hui, car j'ai une excellente nouvelle. Une nouvelle que je rêvais de vous annoncer depuis notre arrivée sur cette planète inconnue. Nous avons retrouvé de la... Grâce au travail acharné de nos agents du Blade, nous avons enfin réussi à localiser l'emplacement du noyau de l'Arche de Vie. Ah ah. Cela ne signifie pas que sa récupération sera aisée, d'autant plus que le ganglion continue de persécuter nos agents. Tant que nous irons de l'avant, avec le même acharnement qui nous a fait tenir jusque-là. Je suis certain que nous réussirons notre mission. Nous retrouverons nos vrais corps. Et nous serons alors de véritables habitants de Mira. En attendant ce jour, je vous demande, fiers citoyens de NLA, de rester courageux. Merci.
Ok. Nous avons donc l'arche blanche, le noyau. Ce qui est plutôt bien. Enfin, on l'a trouvé. Maintenant, il va falloir aller le chercher. Le défendre, le réactiver, le je ne sais quoi. Très bien, membre du Blade. Vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est maintenant ou jamais. Alors voilà le plan. Votre mission est de sécuriser le noyau et d'activer son alimentation de secours. Vous êtes sûr que passer par un système intermédiaire, on aura bientôt les coordonnées exactes du noyau, vous partirez dès que ce sera le cas. On compte sur vous, tous les agents du Blade participent à cette mission. Bonne route. D'accord que c'était pas la meilleure idée de passer par là. Vous pouvez y aller en direct. Il n'y a aucun risque d'interférence et surtout de vol de communication. Voilà, c'est le festin. Allez tout le monde, à table. Et vous pouvez y aller franchement, j'en ai fait assez pour tout le monde. Tatsu a aidé pour cuisine aussi. Waouh, tu t'es surpassé. En effet, cela sent divinement bon. Ne t'envoie pas tout, Gwen. Ah, t'es plutôt mal placé pour dire ça. Comme c'est aimable à vous de nous tresser de la sorte, Lynn. C'est quoi ce délire? On part en guerre, là, les gens. Et vous savez ce qu'on dit? On ne va pas en guerre le ventre vide. Encore moins si on est mort. C'est ce qui nous arrivera quand l'arche n'aura plus de vue. Si ça se trouve, le ganglion a déjà trouvé le noyau et s'apprête à le détruire. Alors, vous avez toujours faim? Si on perd cette bataille, on perd tout. Mais surtout, vous avez des robots, c'est des robots? On sait déjà tout ça, Doug. Mais t'as entendu ce que Nagi a dit. Nous devons attendre les coordonnées de l'emplacement du noyau. En mangeant? Vous ne comprenez pas, en fait. Non, Doug. C'est vous qui ne comprenez pas. Quoi? Vous pensez être le seul à être inquiet? Nous le sommes tous. Nous avons tous peur. C'est pourquoi nous sommes là. Tous ensemble. Irina, écoute. Lynn essaie juste de remonter le moral des troupes à sa façon. Ouais, si Doug embête Lynn Lee, Doug aura affaire à Tatsu. La fameuse Tatsu, boule de poil. Bon, c'est il, hein, mais c'est la boule de poil. D'accord, Lynn, désolé. Je suis sur les nerfs, inquiet, complètement flippé. Je m'excuse, ok? Excuse-moi, d'accord. Apportez-moi 10 chocolats chauds et on verra. C'est bien, Lynn. C'est cet endroit que tu adores? D'accord. Ça marche. 10 chocolats chauds. Après, c'est ce moment entre amis, commencez à manger. Allez, on va se détendre. Allez tout le monde, Lynn s'est donné tous mal, alors mangeons avant que ce soit froid. Tatsu aime ce plan. Tatsu est affamé. Descends de la table déjà. Pas besoin de me le dire deux fois. Servez-vous, Doug. D'accord. Ah oui, ils ont fait un festin. La tarte n'a pas bien plu, cela dit. Oh là là, j'en peux plus. Ouais, je pourrais plus rien avaler. Tatsu peut plus bouger. Aussi délicieux que d'habitude, Lynn. Merci. Je comprends pourquoi Irena et le commandant trouvent toujours une excuse pour passer. C'était délicieux, Lynn. Oh, vous me gênez. Ne me faites pas rougir, je suis contente que vous ayez aimé. Eh bien, il faut mieux d'y aller. Merci pour la tambouille. On y va, lieutenant? Oui, on devrait se préparer. C'était vraiment bon, Lynn. Merci. Oui, c'était sympa, Lynn. Pourquoi j'ai l'impression que elle va crever? Ce fut un effet et un rituel culinaire très appréciable. Très bien. Alors, bonne chance tout le monde. J'ai l'impression que c'est la fin là. J'ai l'impression que tout le monde va clamser. Elma, l'analyse est bientôt finie. On rassemble ton équipe et ramène-toi. On arrive. Ça sonnait très très fort comme un adieu là. Ça me fait peur. Hop. Le repas de famille, tout le monde ensemble. Hein. C'est par où la sortie? Là. Hop.
Exit to AD. Administratif des pertes humaines, je suppose. Sinon, je comprends rien. Ça veut dire quelque chose d'autre, sinon. Hop. De l'autre côté, je sais pas si je suis parti du bon côté, mais c'est pas grave. On va dire que oui. Je pense que je peux y atteindre des deux côtés. Si les sondes de recherche, si tu veux faire le plus d'argent, tu devrais. C'est ce qu'elles ne sont pas données, tu sais. Bah j'essaye. Sondes de recherche, mais il faudrait que j'en ai déjà. Plus que une ou deux. Bon, j'en ai peut-être plus que ça, mais. C'est pas optimisé hein, mon chemin, mais. J'ai plus de thunes pour les modifier. Et c'est pas bien grave. C'est pas non plus dramatique. C'est dramatique si tu veux optimiser, mais je compte pas le faire. À 100%, donc évidemment ça va être à l'autre bout du monde. C'est le noyau de l'arche de vie, en plein milieu de la flotte. Selon nos coordonnées, il se situe au-delà de la côte ouest de Kuldros. Pas étonnant que nous n'arrivions pas à la trouver, il se trouve en plein milieu de l'océan. Est-ce que le noyau a coulé? Nous le saurons bien assez tôt. Alors en tenue et allons-y. Monsieur le ministre, notre survie en tant qu'espèce dépend de votre réussite. Parle de vos passions. Elma, nous avons besoin de votre aide. Sauvez-nous. Nous sommes tous dans le même bateau, monsieur le ministre. Mon but reste le même depuis mon arrivée sur la Grande Blanche, vous devriez le savoir. Je compte mener cette mission à bien, cela va sans dire. Je sais, c'est juste que tout repose sur vos épaules. Une fois que tout ça sera fini, vous pourrez me récompenser avec de longues vacances. Cette planète me fascine. J'adorerais prendre du temps pour l'explorer à mon rythme. Oh, Tatsu peut être guide à Elma? Bien sûr, Tatsu fera ça gratuitement. C'est la maison qui s'emballe. Laisse-moi deviner, c'est elle qui t'a appris cette expression? Lol. On a envoyé les coordonnées à toutes nos équipes du Blade. Elma, je veux que vous agissiez en tant que commandant quand vous serez sur le terrain. Ce serait un honneur, monsieur le chef mécano. J'avais oublié à quel point j'aimais qu'on m'appelle comme ça. J'ai toujours trouvé ça que ça faisait pompeux qu'on m'appelle commandant. Ouais, et c'est pas votre genre. Allez, c'est parti. Bien reçu. Tatsu a repas tout emballé. Étonnant. On n'en attendait pas moins de ta part, Tatsu. Chapitre 12 en cours, 1 sur 5. Ok, il y a 5 parties donc. Alors, faut que j'aille où? Faut aller loin. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très très loin. On va aller à Sylvalum. Ici. Ça va nous éviter pas mal de trajets. Et c'est pour ça qu'il nous faut le module de scale de vol. Hein, parce qu'on peut pas y aller autrement. On va pas y aller à la nage. Ah, je comprends mieux. Je sais même pas si c'est possible d'y aller à la nage. Ça doit être faisable. Hein. C'est juste très long, mais ça doit être faisable. Allez, on prend son scale. Et on décolle. Et on va dans la direction vers là-bas. Hop. Ta-ta-la-la. Mer de Sylvalum. Rayon découverte. Ah! Ma foi, c'est très joli. Il y a des choses en l'air. Oula. Bah, je suppose que c'est ça qu'il faut que j'aille du coup. Oui, c'est absolument ça. Elle n'a pas volé. Hop. Oh, mais non, dégage le truc. Ok, je dois avoir une miniature à un moment. C'est ça l'arche. C'est très stylé. C'est stylé comme machin. Je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais.
Mère de Koldros. Oula, ouais, ça se fait attaquer la gueule, évidemment. Ouais, no. Ah, mais non. L'arche est en bas et ça se fait attaquer par le ganglion. Nous sommes dans la merde, du coup. C'est censé être nous, ça? C'est censé être nous. Elma, le voilà. Pourtant, nous n'avons pas ces skelles-là. Zut, ils y sont déjà. Non, pas encore. Regardez à la lisière de l'eau. La barrière continue de fonctionner, du coup. Et une barrière, c'est un champ de force. L'arche de vie a été conçue pour protéger l'humanité à tout prix. Les boucliers défensifs qui entourent le anneau ne font pas faillir aisément. Putain. En d'autres termes, on n'a pas à s'inquiéter. Je n'ai pas dit ça. Ils n'ont pas besoin d'atteindre le noyau, il leur suffit de nous empêcher d'y accéder à temps. Et leur compteur y arrive bientôt. En parlant de ça, il est l'heure d'aller botter les fesses du ganglion. Oui, potes vont donner fessée à ganglion. Et c'est l'idée. Et tu peux pas aller sous l'eau, donnez les meilleurs de vous-même. Tout le monde compte sur nous pour mener ça à bien. Il n'aura pas de deuxième chance. À toutes les unités, ici votre commandant Elma. Mon équipe prend la tête. Nous allons infiltrer le noyau, puis nous tenterons d'activer le générateur de secours. Doug, Irina, Gwen et Elle, vous venez avec nous. Toutes les autres équipes, déblayez-vous et le chemin. Déblayez-nous le chemin, puis couvrez-nous. C'est là votre priorité. Pas de détruire tous les vaisseaux ennemis. Est-ce clair? Équipe Elsa, bien reçu. Trishuda, bien reçu. Irinsu, bien reçu. Balmung, bien reçu. Team Surtur, bien reçu. On va battre tout ce qui s'approchera de nous. Il y a beaucoup de scales. La musique est stylée. Équipe d'infiltration, allons-y. Compris. Let's go. 2 sur 5. Ah, niveau 45, on est 43. Noyau de l'arche de vie. Zone découverte. Let's go. Ta ta la, niveau 46. Ah, c'est pas pour rire, hein. C'est du pas pour rire, hein. Ah. Bon, on n'a pas le choix, on va les taper, hein. Ah, mais putain. Voilà, paf. Voilà. Que celui-ci se fait beaucoup de dégâts. Avec Scale et Belle, par contre, ouais, il va prendre cher le pauvre. Merde, Scaline il prend aussi cher. Merde. Scale est beau aussi. Oh là là. Là, c'est moi qui prends cher maintenant. Ah mais on se fait canarder la tronche à l'autre bout de la map. Ouais, du coup on va se barrer, hein. Voilà. On va laisser tomber les combats, hein. On a déjà perdu nos scales, c'est pas cool. Est-ce que ça va nous laisser passer ou pas? Enfin, le noyau de l'arche de vie. Dépêchons-nous avant qu'ils ne nous suivent à l'intérieur. Allez, c'est parti. Nos vrais corps. On va enfin pouvoir être entiers. Attention, ici le centre de contrôle du noyau. Le niveau d'énergie est passé en dessous de 0,2. Ah. Le bouclier sera désactivé dans 1000 secondes. Oula. Je répète. Ici le centre de contrôle du noyau. Ben ne me fais pas perdre du temps, bouffon cul. Quoi? On va perdre le bouclier dans 15 minutes. Si le noyau n'a plus de courant, les boucliers ne seront pas notre gros problème. Eh bien, oui et non. Nous avons besoin d'alimenter le noyau, mais nous avons aussi besoin des boucliers. Ça fait d'une pierre deux coups. Le ganglion va épuiser ses ressources sur les boucliers et battre en retraite.
Exactement, donc tout repose sur le fait de brancher le générateur de secours. Très bien, alors allons-y. Mais vous pouvez pas vous dire ça en courant. Il vous reste 15 minutes pour sauver l'humanité et vous êtes là à parler immobile en vous croisant les bras. 3 sur 5, putain ça va vite hein. Ça va vite. Non, ils ont décidé de pas parler, de pas avancer. Bien joué. Une fois à l'intérieur, nous ne pourrons plus faire demi-tour. Tout le monde est prêt? Dire à Elmax, c'est bon. Vous avez besoin de plus de temps, mais il n'y a pas de temps. Au pire, on meurt. Hein. Tu es sûr? On ne peut plus faire demi-tour, c'est-à-dire que c'est fin du jeu? Attendez. Je vais aller voir ça. Chapitre 12, le noyau. C'est le dernier chapitre. Ah merde. Ah. Bah du coup, non, on a besoin de plus de temps. Fais ce que tu as à faire. Il reste 15 minutes pour sauver l'humanité, mais fais ce que tu as à faire. Merde. Merde. C'est le dernier chapitre. Ah bah du coup, Et ben du coup, on est dans la merde. Hein. Je suis pas loin de passer niveau 4. Ouais, on est dans la merde. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pourrais pas faire le dernier chapitre là en l'espace de 10 minutes. Ce sera pas possible. Et je ne peux pas tourner l'épisode derrière parce que faut que j'aille bouffer, j'ai faim. Donc ouais. Ouais, on va s'arrêter là. Désolé, l'épisode sera un peu court. Je pense qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite. Je verrai, pareil, la semaine prochaine. Si ça se trouve, je vais devoir tourner plus d'épisodes de Xenoblade Chronicles X la semaine prochaine. On verra ce qui se passe, mais je prévoirai du coup moi dans mon planning de tourner les épisodes de Xenoblade Chronicles X plus tôt pour comme ça prévoir s'il faut plus de temps pour faire la suite. Pour le coup on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci, on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao tout le monde.